Allez. Putain, mais on est sur le périph' de... Ah, on est dans un nouveau niveau de Mario Kart, on dirait. Vas-y, on avance à deux à l'heure. Pourquoi? Oh, oh, pourquoi qu'il est bridé, le speeder, là? Ah, parce qu'on est déjà arrivé. Waouh, il s'est passé quoi, ici? Ouais. On dirait que des explosifs ont été déclenchés. Alors, du coup, le trafic est actuellement interrompu sur le périphérique de Tiejimi. Je vous prie de bien vouloir emprunter les itinéraires bis, les déviations, et nous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont donné la compétence sur le périph' de Tiejimi à Anne Hidalgo? Elle a tout fait péter ici aussi? Putain. Oui, 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 Ninix, t'inquiète. On a trouvé, c'est par là que ça se passe. Ok. Bon, bah, les secours doivent déjà être sur place. Ils ont installé des lampes pour qu'on y voit clair en avançant, là. Ouh, c'est... Ouh, la vache! Ça faut les moyens de vous faire parler! Ya! Ah, on y est. Ah, des ventilos. C'est bon, j'y suis. Un grand ventilo. Entrez dans la salle d'assemblage numéro 5. La carte d'accès vous permettra d'y entrer. Mais à vous d'éviter les gardes. Ah, ça m'aurait étonné! Si mon blaster se met à tirer tout seul... Ils sont loyaux à la reine. Ils ne me sont d'aucune utilité. Tant qu'on est sur la même longueur d'onde. Donc je peux les buter. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que je peux buter tout le monde par contre. Ah, ça c'est au moins un truc bien. Ok. Bonjour, bonjour et bienvenue aux vieux gamers, ici c'est Papy sur Star Wars Outlaws, les aventures de la moche, du surmulot, du grippin, de la savanette dans l'univers de Star Wars. Fantastique, il y a des petits surmulots locaux aussi là qui sont ici. Et nous on est en train d'infiltrer l'usine d'armement pour retrouver Hank Kulasek, l'experte en explosion qui ressemble à une espèce de mini chauve-souris sans ailes, de manière à pouvoir tout simplement préparer le casse du siècle chez Slyrodmant. Alors, vous voyez d'office, moi je vous le vois, je vois les ventilos en face, il va y avoir une phase de parcours en face. Hein. Faut qu'on passe par là, qu'on traverse en passant devant les ventilos et l'entrée se situe carrément à l'autre bout. On peut aussi éventuellement passer de ce côté-ci, sauf que de ce côté-ci, il y a énormément d'humains en marche. Il y en a deux là, des gardes, il y en a un qui est statique là-bas près du vaisseau. Mais c'est vrai qu'on peut aussi essayer de contourner de ce côté-ci. Par contre, il faut éviter de passer en bas là. Parce que là en bas, il y a des caméras qui balayent toute la zone là. Et il y a un truc d'alarme juste à côté en plus, là, ça risque d'être chaud patate. Nous, on va commencer par regarder l'équipement qu'on a chopé. On a pécho ça dans le dernier épisode. Si vous n'avez pas vu le dernier épisode, allez le voir. Il y a des crédits supplémentaires dans des conteneurs, ouais. Mais on a surtout la nouvelle relique qui est d'augmenter considérablement la capacité à ne pas se faire repérer par les droïdes. Alors ça, j'ai envie de vous dire que, voilà, c'est bien ça. C'est bien de ne pas se faire voir des robots. C'est parfait, d'autant que robot, il y en a un là-bas. Tac, on va changer de module. Voilà, robot, il a explosé. Ça, c'est une affaire entendue. Nous allons donc pouvoir passer par là. Attention. Aïe 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 aïe, la moche de la jungle. Hop. Elle est immense. Qu'est-ce que c'est que cette arme? Un fusil blaster Zato ABR2. Putain, ça sent le fusil à pompe. J'adore. La reine a conclu un marché avec l'Empire. Désormais, nos forges produisent des explosifs pour la guerre contre la rébellion. Ah. Je comprends que ouais. Ça ne plaise pas. Bah pourquoi, c'est bien aussi. A sacrifié notre indépendance sur l'autel du profit et de l'expansion futile. Mais assez parlé. Hank vous attend. Le temps est compté. J'adore. Pourquoi tu appelles ça une expansion futile? Je ne comprends pas. Les rebelles, il faut les éradiquer. Ils empêchent l'Empire de garder, de maintenir la paix dans la galaxie. Ok.
Quelque chose me dit qu'il va pas s'arrêter de souffler celui-là. Hop oh, putain. Ah. Ah non, j'avais pas vu, on peut passer en dessous. Ah, j'aurais pu rester là pendant longtemps. Hein. Ouais, alors là, j'ai failli faire une connerie. Parce que je pourrais pas passer par la droite. Il faut d'abord que je monte ici. Puis que j'attrape là. Voilà, ouais. Voilà. Et encore là. Ok. Et là, c'est bon. Là, on y est. Bon. Ok, je vais rechanger mon blaster. À toi de jouer, Nixie. Vas-y. Vas-y, 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 vas-y. Nous n'aimons pas cette chose. C'est bien. Bah, c'est bien si t'aimes pas cette chose. Moi, ça m'arrange que t'aimes pas cette chose. Parce que tu vas aller te précipiter sur cette chose. Et moi, comme t'es discret. Papa. Papa. T'es mort. Ah non. Ouais. Ouais, bon. Ok, je vois ce que c'est. Indisponible en combat. Bon, maintenant on est obligé de buter tout le monde. Pas de quartier pour les croissants. Putain, ils appellent... Oh, tiens, tiens, boumdou, regarde. Un petit coup de fusil à pompe dans ta tronche. Aïe! Tac, 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 et tac. Vas-y, pont! Poum, poum, poum! Ok, 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 je vois ce que c'est! Haha, je t'ai eu! Ou pas, complètement. Grenade! T'as le droit de tirer sur la cible aussi, ce serait pas mal. Vas-y, laisse-moi ramasser ton fusil à pompe là. Ok. 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 Vous êtes morts. Grenade. Oh, oh, ça c'est du blaster! Vas-y, il est rechargé celui-là. On va chotiner, il y en a un là. Poum, headshot! Voilà, on fera ce qu'on dit, on dira ce qu'on voudra. Mais ça, c'est la vie. Voilà, c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que c'est le plus simple et que c'est le mieux, vous avez vu ça? On a fait le ménage et puis l'affaire elle est réglée, elle est entendue et maintenant ils arrêtent de nous embêter tous les 3 mètres et on n'est pas obligé de s'accroupir et on n'est pas obligé de retenir sa respiration pour pas péter. Enfin ça va quoi, au bout d'un moment, laissez-nous avancer. Ah, s'infiltrer dans l'usine, c'est à 30 mètres, c'est pas par là, merde, je suis passé. Attends, on va quand même péter l'alarme parce qu'il y a un moment, il y a un risque que ça recommence. On va éviter quand même, je pense que c'est là hein. Il y avait utilisé la carte d'accès. Voilà, exactement. Ah bah ça y est, on se remet à quatre pattes. Ok, il a perdu sa carte d'accès visiblement. Il y a un coffre là, mais moi je peux pas passer. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de faire lever le... Il doit y avoir un interrupteur, à mon avis. Il n'y a pas genre un interrupteur pour faire se lever le... Ah bah non. Ah bah non, c'est à moi de me... Ah oui, d'accord, ok. Je vois ce que c'est. Passe dans le tuyau. Du coup, j'ai pas pu emmener mon fusil à pompe des Ashiga avec moi. Ça, c'est quand même ballot. Ah bah si, tiens, je peux le ramasser de l'autre côté. Oh, c'est bon, ça.
À mon avis, c'est totalement fortuit, mais c'est pas grave. C'est bien. Voilà. Ok. Allez. Allez, je saute. Hop. De toute façon, c'est ça qu'on attend de nous. Voilà. Hop. Sauf que là, je suis pas sûr. Ah oui, non, je suis vraiment pas sûr. Ah ouais. Non, alors c'est peut-être pas là. Je me suis peut-être merdé, c'est de ce côté-ci. Voilà, ok. Ici, on ouvre le conteneur. Dépasseur énergétique MG2. Et ici, il faut redescendre là. Jaylen a intérêt à avoir raison sur Hank. Je veux pas m'impliquer là-dedans pour rien. Tu m'étonnes. Moi non plus, hein. Ok. Bah, tous les ventilos sont pétés ici, hein. C'est pas de balle quand même, hein. Wow. Boum, 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 t'es mort. Ouais, à mon avis, c'est par là. Alors, c'était pas ce que j'aurais voulu, du coup. La voilà. Ah, la chauve-souris est là. J'ai qu'à trouver un moyen d'entrer. Ouais. Attends, on peut monter par là, qu'on nous dit. Hein. Et après, à mon avis, il doit y avoir un truc par le... Ouais, par le grillage. Ok. Mais c'est pas ce qui m'intéresse, moi, pour l'instant, dans un premier temps. Si ça te dérange pas... Parce que là-bas, alors, le ventilo, il marche, lui. Alors, non, on peut pas passer par là, par contre. En revanche, j'aurais voulu revenir en arrière, si c'est possible. Est-ce que c'est possible de revenir en arrière? Voilà, parce que il y a quand même un tunnel qui continue par là. Et après, il y a des barreaux. Ok. Bon. Réponse ! Réponse à mon interrogation, où c'est que ça mène? Nulle part. Hein? C'est bien. Ça, c'est fait. Donc, nous, il faut que on passe par au-dessus. On va monter là. Hop. On va monter... Non. Pas de ce côté-ci. On va monter par là. Voilà. Puis ensuite, ici. Puis ensuite, on va par là-bas. Ouh là, la caméra, c'était bizarre, là. Et voilà. Et là-bas. Et si vous n'avez pas vu la flèche en haut sur le mur qui nous dit vers le bas, pour nous indiquer qu'il faut redescendre par là. Ah oui, mais non. Ah bravo. Bravo, ça c'est fait. Ah non, 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 c'est bien fichu, hein, quand même. Hein, ça, c'est un peu vautré, je recommence. Voilà, on va bien jusqu'au bout et on tombe cette fois-ci au bon niveau. Et sauf que on a les deux ventilos toujours d'allumés. Alors, il doit y avoir un moyen soit de les couper. Il doit y avoir un moyen de faire un truc ici. Ah bah il y a une caisse derrière. Mais il va falloir tous les arrêter parce que le surmulot il peut pas allumer ça. Ok, alors attendez. Il doit y avoir... Ah, en face. Vas-y, Nix, va éteindre. Appuie sur ce bouton, Nix. Voilà, le surmulot de l'espace va arrêter les ventilos. Bon, à mon avis, il va faire chaud dans pas longtemps, hein, parce que là, on vient de couper la clim de tout le complexe. Mais on a récupéré 275 crédits ici. Ah, et là, ça reste allumé. Par contre, celui-ci est éteint. Et je pense que c'est lui. La suite de notre histoire. Ok, par ici, par là. Eh oui, on arrive de l'autre côté, là où on a vu tout à l'heure. Et avec une ouverture, boum, vers le sol. Coucou à toi, Hank, la chauve-souris. C'est toi, Hank? Eh, Ubisawata! J'ai fait ce que je pouvais, dis donc, et oh! Moi, c'est Keyves. Je monte une équipe. Every Magula Titaki Kid. Je travaille avec Jaylen Brax. Voilà. Oh, Puno Dutoki. Kira Jama Oba Jagrind? Pas du tout. Non. Meneki, Oba Anji, Scotcha Tanka Ja, Shiga Queen Sapawa Banko. Hein? Carrément? Crispodite Uva Wata. Attends, attends, ralentis une seconde. Ouais, parce que là, c'est un peu violent pour moi, là. Chris,
Eh ben voilà ce que c'est d'être trop rapide. Pas vraiment. Donc, pour la recruter, je dois aider quelqu'un qui me demande d'aider quelqu'un, qui me demande d'aider quelqu'un, qui me demande d'aider quelqu'un. Là, on est dans une mission, dans la mission de la mission qui est dans la mission d'une autre mission. Au bout d'un moment, les poupées russes sur les missions, il va falloir que ça se calme parce que sinon, on n'y comprendra plus rien. Il y a un robot. Il y a deux humains. Trois humains. Trois humains et un robot. Ok. Attendre le vestiaire. Alors nous, on va passer par la trappe qui est là-bas. Hop. On va attendre que le robot fasse demi-tour. Parce qu'il y a un moment, il va faire demi-tour, ce con. Quand il veut, le robot, il fait demi-tour. Il va faire demi-tour. Voilà. Hop. Nickel. Et nous, donc, on peut passer par là, certainement. Zouf. Et on peut pas accélérer, bien sûr, quand on est accroupi. Faut pas déconner. Mais on aura traversé la majorité de la salle. Qu'est-ce que tu vois ? Bah, je vois qu'il y a un mec, un seul. Donc deux mecs. Ok. Putain, il y a l'autre là, il va me voir. Là. Je vais me remettre dans mon tunnel. Ce sera mieux quand même dans un premier temps. Il y a des méchants, Nyx. Bah oui, c'est comme dans le monde de Candy, il y a des méchants et des gentils. Ça, c'est dans ton cul. Non, 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 t'es barre. Ah, c'est bon. Oh, allez, ok, ok, je vois ce que c'est. Ok, toi, t'es mort. Allez. File-moi ton fusil à pompe, là. Ok, il y en a d'autres. Il y en a d'autres, des mecs, là. Ouais, il y en a un par là. Il y en a un par là, il est là. Voilà. Toujours en vie. Exactement. Ah tiens, une petite fiole de backstab, j'ai déjà tout ce qu'il faut. Attendez, je vais récupérer un fusil. Non, celui-ci on peut pas. Celui-ci il est trop coincé dans le sol, visiblement. Hop. Yes, vas-y, ramasse. Voilà, il m'en fallait un qui soit bien chargé, c'est bon. Hop. Ah bah oui, bah on va le perdre aussi vite. Tac, 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 tac. On ouvre la porte du vestiaire. Ah non, on l'a gardé dans la main cette fois-ci. La musique a l'air d'impliquer une certaine urgence qui n'existe pas. Poum, toi t'es mort. Suffit. Voilà. De fiole de bacta. Un petit thé de bouteille de feuilles de thé au bois bandu. C'est quand même un peu de rhum au bois bandé. Ok. Et qu'est-ce qu'elle veut que je vienne chercher ici déjà? Retourner dans la zone. Bah oui, c'est ça, moi je veux bien retourner. Qu'est-ce que t'as trouvé? Ah, c'est là-bas! J'ai failli passer à côté du coup. Mais c'est pas celui-là, retrouver des biens de Hank. Ah bah ils sont là. On est venu pour ça. On dirait une épingle à cheveux, tu rigoles ou quoi? J'ai tes affaires. Y a un porte-bonheur à la con. Oh mon dieu. Qu'est-ce que c'était? Alors tu l'as fait exploser? Putain, bon, on n'est pas sauvé avec ce go, avec cette bestiole là. Ouais, je te suis. Oh bah non, mais
Désolé, Hank. Le fusil blaster qui est coincé contre le mur. Évacuez les lieux. Voilà. Faites-les sortir d'ici. Envoyez des renforts. Qu'est-ce que je fais là? Bah je fais ce que je peux. Attends, t'es marrant toi. Allez, hop, attention, 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 hop. Je vais pas taper le mur là, non, ça passe. Ah bah d'accord, ok, c'était juste ici, hein. Ils viennent vers nous. Mais l'outil avait rien vu venir. Ouais, 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 regarde. Regarde si tu fais qu'un. Par contre, faudrait repasser sur le bon blaster, papy, ce serait mieux. Ah bah non, finalement, c'est un robot, donc. Ok. Bon bah j'en aurais pas... Si, là-bas. Hop. Allez, j'en aurai deux. Pipou pipou. Oh, ça a marché. Ok, on a récupéré s'il fallait. Oula. Oula, pas faire d'erreur. Pas faire d'erreur. Ah bah toi qui es si rapide, d'un seul coup t'as besoin de nous. C'est quand même pas de bol, hein. Ouais, aïe, 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 boum. Boum. Boum, boum, boum. Oh putain, non. Ah non, ah non, ah non, j'ai glissé, chef. Je ne sais pas où est le checkpoint. Il nous a remis ici. Ah bah ça va, ça va. On a connu des checkpoints qui étaient moins sympas. En plus, les mecs sont toujours morts. C'est génial. Attends, c'est par là-haut qu'il faut qu'on passe. Hop. Hop. Vas-y, tu peux me filer ton blaster, toi? Non, tu peux pas. Oh putain! Voilà, file-moi ton fusil à pompe! C'est bon là? Vous avez fini de me casser les pieds? Non! Encore pas! Il en reste un, bon ce sera le dernier. Eh ben écoute, t'es mort. Piu piu piu! En mode pistoleros! Oui, oui, bah attends, j'arrive! Est-ce que je peux pas récupérer dans le lance-grenade, je m'en fous? Un fusil blaster E11? Vas-y, ce sera toujours mieux que rien. Là-bas, il y a une grenade des fois qui m'en manque à. Mais non, il ne m'en manque à point. Et elle est où, cocotte? À 30 mètres? Mais je vois pas où. Ah, t'es là-haut! Oui, pardon! Bah, je sais pas, moi, comment j'arrive là, moi. T'es marrante? J'en sais rien, moi. Y a pas de crochet pour sauter. Le truc, c'est que je vois pas comment je te rejoins. Tu vois? Il est là, mon problème. Ah, ok, ça y est, j'ai compris. En fait, il faut que je la fasse passer seulement. Vas-y, vas-y, toi, tu ouvres la porte. Je passe sur le module là, parce que ça va pas être pour péter les trucs. A priori, je pense que ça va être pour alimenter. On va essayer comme ça. Voilà. Et non, ça a pas marché. Vas-y, alors, recommence, Nilix. Donc, c'est ça, c'est pas un truc électrique. Faut bien péter le machin. Ok. Ah bah si, il a pété. Ah, il doit y en avoir un deuxième. Il doit y en avoir un deuxième quelque part. Ou je sais pas. Oui, oui, oh bah ça va. Et oh, 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 tu te calmes, hein. Je fais ce que je peux, hein. Ah, putain. Ah, putain, ça y est, regardez, je passe en... Non, ça y est, j'ai compris. Alors, c'est ici, c'est pour ça qu'il m'a donné ce truc de blaster, là. On va passer sur l'explosif.
Je charge et je tire et ça pète le truc. D'accord. Ok. Et là, ça y est. Ça va, là? Eh ben putain. Ça bouge même pas vite. Je vais peut-être le regretter. Allez, on doit trouver comment ça branche. Bah c'est ça, grâce à l'ascenseur qui est ici. Il va exploser là-bas, non ? Quoi ? J'ai pas écouté du tout ce qu'elle a raconté, l'autre ! Ok, eux ils sont morts. Vas-y, il faut qu'on avance, on va attendre qu'ils arrivent. Et là, voilà ! Ça repart ! Et si ça repère, Yamalabar, vas-y. Merci, je suis au courant. Ouais, bah écoute, on fait ce qu'on peut, hein. Ouais, détendez-vous, messieurs. Boum. C'est bon, tout le monde est mort. Je pense que tu nous serais utile, Akanto. Akanto, Aku. Daja Tinka, ouvre ta muchacho grandiosif. Oui. C'est l'idée, oui. Iniki, boum, t'es mort. Boum. Elles sont sécurisées, les bombes sur le chariot. Aku, Bejan. Je veux dire que ça canarde un peu de tous les côtés. Vas-y, j'avance en même temps, on s'en fout. Ouais, ça pète. Aïe, 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 aïe. Poum. Poum. Allez. Poum, poum, poum. Poum, poum. Allez! Comment ça, disponible au combat? Attention, lance-grenade! Putain, 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 putain! Tu es mort! Tu es mort! Et tu es mort, attention! Piu piu piu, piu piu piu, piu piu. Allez, il en reste un. Et a priori, on devrait plus être en combat. S'il en reste encore deux! Voilà, ça y est, on est plus en combat. Ouh là 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 là, ça déconne zéro. Petite phase où ça fight, c'est top. Vas-y, je reprends un fusil blaster. Et on y va. Ah ah. Wow. Pas déconner, non. Attends, c'est par où? C'est là-haut. Ok. Il y a un truc à appuyer quelque part, un peu de loot, que dalle, que dalle, que dalle, que dalle. Pou pou pou. Pou pou pou. Ouais, j'arrive. Ça va, ouais. On a fait le plus dur, non? Eh, je veux bien te parler, mais il faudrait une interaction, voilà. Voilà ton porte-bonheur. Yes, kid. Stout, où est-ce que pas? Quoi? Tu sais même pas. Mais sans déconner, tu rigoles ou quoi? 157 millions en crédit non marqué. Du bescar. Toutes tes dettes, largement. Pratiquement impénétrable.
C'est pour ça qu'on a besoin de toi. Ok. Ça sera la première fois. Fois deux. Non, j'ai pillé. Mais non. Mais non, je suis rentré dedans. Oh, Jaylen le vendait mieux que ça. Tu comptes rester pour éliminer la reine? Je comprends rien. Rien compris, oui. Elle veut qu'on fasse péter le coffre. Mais genre, elle me largue ici. Jaylen? Mais enfin... Elle a un contrat avec Kira, de l'Aube Écarlate. Évidemment. Kira semble avoir plus d'influence sur Kijimi que je le pensais. Hein? Vous avez un plan de secours? Désolé, Kay. Il faut que ce soit Hank. C'est le tout craché, incapable de se concentrer sur deux choses à la fois. Ouais, je vois ça. Reste avec elle. Quand Hank en aura fini avec Kira, il lui faudra son prochain shot d'adrénaline. Et ce sera avec nous. Exactement. Gagne sa confiance et montre-lui qu'on est sérieux. Fais une quête pour elle afin qu'elle nous aide dans la quête qu'on doit faire pour aider quelqu'un d'autre dans la quête qu'il nous demande afin de faire la quête principale. J'ai porté un colis sur le Trailblazer. Ah. Quelques fournitures qui devraient aider à régler les choses. Ah ça c'est fun. Je jetterai un œil. Merci Jaylen. Bon en attendant faut qu'on sorte de l'usine maintenant. C'est pas la paix. Parce que l'autre elle s'est barrée, elle nous a largué ici. Ah non mais on est arrivé d'ici, je croyais que c'était l'inverse, je croyais qu'on était arrivé d'ici mais non. Enfin je croyais qu'on sortait par ici, voilà. Et je croyais qu'on arrivait de ce côté là, mais en fait non, c'est par là que se situe notre sortie. Alors, pour l'instant on n'est plus en combat, mais combien de temps ça va durer, j'en sais rien. Il y a un petit coffre quand même de fin de 6 cryobobines. Des cryobobines. Ils sont sûrement au hall principal. Ouais, alors, on peut soit prendre l'échelle, soit carrément partir là-bas. Je partirais bien là-bas, parce qu'en fait, on est revenu au début. Hein. On peut peut-être partir avec un de leurs cargos, non? Ça pourrait être pas mal, pensez pas? Ou pas? Putain, on a bien fait de pas passer de ce côté-là, y a rien à looter. Mais rien du tout, quoi. Qu'est-ce que tu vois? Il voit que dalle. Vas-y, alors par contre, pour s'échapper, on peut passer par là. Hop, voilà, vas-y. On n'a plus besoin du fusil blaster. C'est parfait, on grimpe. On y va, voilà. On va récupérer notre spider. Et ce sera tout bon pour cette mission. Par contre, l'Aube Écarlate est en hausse. Ok, le clan Ashigar risque de faire la gueule, hein. On était devenus copains avec, mais à mon avis... Ah, de retour sur je le périph. Tu as réussi à libérer Hank. Ouais. Puisque tu es encore là, j'imagine qu'elle t'a dit non. Ouais, bah oui. Pour l'instant, elles sont plus motivées à travailler pour vous. Fais ce qui est le mieux pour toi, Kay. Et si tu veux mon avis, j'aiderai d'abord Hank à finir son boulot. Bah tiens. Je t'envoie les coordonnées. Bonjour, messieurs. Hop. Et donc, il faut suivre cette quête de la ruche. Ah, obligé de faire ça pour pouvoir avancer, à apporter les explosifs à Kira afin de soutenir la révolte. Kira et Hank attendent Kay dans un tunnel pour appuyer sur la tentative de Chris que de s'emparer du trône. Donc, ça va être une bataille. En toute logique, en tout cas. Hein. C'est à 68 mètres d'ici, c'est pas loin. Bonjour, c'est Kay. Qui est-ce? Oui, c'est la moche, c'est qui? Qu'est-ce que c'est? La reine vous a demandé pour un travail. Retrouvons-nous. D'accord. Ah, la reine m'a demandé. Ça pue du cul, cette affaire. Est-ce que c'est une opportunité? Est-ce que c'est, opportunité du clan Ashiga pour une augmentation massive de la réputation, visiblement. Une Myrmitrix. Ça me demande une audience. Ouais, non, mais ça c'est des quêtes, c'est autre. On verra ça en dehors. Pour l'instant, nous, on va les rejoindre. Bah, ou pas d'ailleurs, parce que là, je suis en train de voir, c'est à 29 mètres, mais c'est au-dessus. Donc, il faut qu'on arrive à remonter. Ça doit être par là. 30 mètres.
On y est. On y est. On y est. Sommes par là. Qui est cessé dans la neige? Un colis, un orichal qui est encore perdu. Et elles, elles sont ici. Oh là là, le clan des comploteurs. Le clan des comploteurs doit se trouver par là-dedans. Kay, te voilà. Je suis là pour m'assurer qu'Hank sorte de là, en un seul morceau. Et puis, je me suis demandé... J'ai aucune idée de ce que vous avez à y gagner. Je pourrais te raconter l'histoire de ma vie, celle d'une jeune voleuse sur Corellia, une tyrannie semblable à celle d'ici. Mais y a pas d'argent dans cette histoire. La reine a livré Kid Jimmy à l'Empire, ce qui ne laisse de place à personne d'autre. Si j'aide Chris qui a sauvé la ruche, l'aube écarlate aura une part du gâteau. C'est un pari risqué, mais je pense que Chris a ses chances. Gagnant-gagnant, c'est ça. Kuta Queen, kava para djitinka para horko kago. Ah ouais, c'est comme ça. À moi de les couper. J'ai compris. Ce sera un bon entraînement pour votre petit braquage. Oui, oui, elle sait tout. Que je l'embrasse. Ah ouais, ah, vous êtes comme ça, lui et toi. D'accord, et moi je vais au bout du tunnel. Alors on récupère le diracier. Et il faut qu'on aille faire péter un mur là-bas. Alors allons-y, allons faire péter un mur là-bas. Ah c'est... ça rigole pas hein. Ok. Et ah, boum. Ok. Où ça glisse, où ça glisse, où ça glisse, où ça glisse. Alors on est arrivé. Hop. Cet endroit putain, ils ont... est énorme. Ils ont installé le chauffage, c'est cool. Accouche-toi bien, Nyx. On va devoir grimper pendant un long moment. Comment ça on va grimper? Mais on va pas grimper comme ça, c'est pas possible. Mais non. On grimpe pas, on descend, regarde. On descend pour mieux grimper, c'est ça l'idée? Tu penses que Chris a tort de travailler avec l'aube écarlate? Comparé à la reine qui conclut des marchés avec l'Empire. Ouais. Dans les deux cas, les Ashiga sont pas libres. Non. Et je pense que Chris ignore qu'elle ne contrôle pas du tout la situation. Ah bah si elle ignore tout, aïe 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 aïe. Bien, c'était un peu brumeux hein, tout de même. Hein. Okay. Nous sommes en position. Où en êtes-vous? Bah, je fais mon possible. Et encore dans la grotte. Faites attention. Ces tourelles doivent être désactivées. C'est l'avenir de notre ruche qui est en jeu. Ouais, compris. Ouais, j'ai bien compris, c'est j'ai bien compris, j'ai bien compris. Il n'y a pas de souci. Ruche. Comment ça marche? C'est le pilier central de la culture Milito. Chacun obéit à la reine et fait passer les besoins du clan avant les siens. Oh. C'est tout? Oui. Tu pensais que la reine est contrôlée par la télépathie? Quoi? Non, sois pas ridicule, bien sûr que non. Et du coup, je crois qu'il faut sauter. Hein. En tout cas, c'est ce que je ferai. Et c'est loupé! Eh ben, on sera beaucoup morts aujourd'hui. Hein. Où en êtes-vous? Ouais, ouais, j'arrive, j'arrive. Dans la grotte. Je vais essayer de faire ce que je peux. Ok. Ah mais je peux Putain, je pouvais m'accrocher au mur en fait. Ah c'était pas clair là pour le coup, le mur. Avec la brume, on voyait pas bien clair. J'ai cru qu'il fallait sauter, mais en fait, il n'y avait même pas besoin. Il suffisait juste de s'accrocher à la paroi. Voilà. Hop. Ouais, c'est un peu beaucoup brumeux, hein, quand même. Alors, à mon avis, soit il y a un truc en haut. Soit... Ah bah non, bah là je crois qu'il faut sauter là. Est-ce que je retente encore une fois un saut? Ah oui, c'est là, c'est ça, c'était beau. Le mur est juste. Alors là, il y a du vent. Hein. Encore un petit effort. Vas-y, c'est bon. Non! Mais non, espèce de cruche! Je vais bien.
Allez, ça grimpe. Ah, attention au gros ventilo, c'est bon, il est coupé, on peut y aller. Hop, 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 hop. Hop. Allez, c'est parti, on grimpe encore. Ah, je comprends ce qu'elle voulait dire quand elle a dit qu'on allait grimper pendant un long moment. Ouais. Ok, effectivement, on grimpe pendant un petit moment. Ah, ah putain, c'est en face. Oui, mais... Ah, 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 oh, punaise, oh punaise. Oh punaise. Je sais même pas comment on a réussi ça. Alors là, pour le coup, vu comme on s'est balancé à l'envers, je sais même pas comment on a réussi ça. Ok. Ah oui, c'est là. Ah, non. Ah, c'est pas... Ah, ok. Allez, hop, 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 hop. Elle a dans les bras la moche. Ça rigole pas. Tu veux que je saute là? Non. Non. Ok, il faut couper le ventilo avant. Poum, voilà. Vas-y, va open la porte, Nivix. Sur mulot de l'espace. Le ventilo est arrêté. Et nous... Ouf, putain, je voyais ça plus loin, moi. Mais non, ça passe. Ça doit être ce mur. Allez, on prépare les explosifs. Allez, on place les explosifs sur la marque jaune, hein, histoire de... Le détonateur est en place. Ouais, ouais, sinon je verrai rien. Boum ! Allez, okay. On va pénétrer dans la forteresse. Et voilà, un mur de moins. Il rigolait pas, cet explosif. Seulement pour toi. Il est mort. Oui, la voie est libre, parce que telle est la voie. Alors nous pouvons agir. Allez-y, Kay. Neutralisez les tourelles. J'y vais, je vais me faire trouver la peau par les tourelles. Mais j'irai me faire trouver la peau par les tourelles lors du prochain épisode. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. On a bien avancé dans une tentative désormais officielle de coup d'état sur le clan Ashiga. Ça rigole pas du tout. Les Shishigas sont dans la mouise. On va aider l'héritière et on va récupérer la chauve-souris après pour notre braquage. Voilà, voilà. Si ça vous a plu, comme toujours, hein, si vous suivez toujours avec attention cette série sur Star Wars Outlaws, les aventures de la moche, du surmulot, du grippin et de la savonnette, n'hésitez pas à user et abuser du pack YouTube, pouce, partage, abonnement, cloche et commentaire. Moi, je vous fais tout plein de gros poutous. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous donne rendez-vous très très vite pour la suite des aventures de Kay Vess dans Star Wars Outlaws ou pourquoi pas sur un autre jeu. C'était Papy on live from la forteresse des Shishiga. À vous les studios. Ciao.